Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle édition de La Tranche Info. Nous sommes le mercredi 31 janvier et tout de suite, nous partons pour une demi-heure de JT qui sera suivie du Focus. Le mois de janvier touche à sa fin et dès demain, des changements sur le prix des produits pétroliers sont à prévoir. Au 1er février, le litre de supercarburant sans plomb passera à 1,74 € le litre, soit 0,06 centimes de plus qu'au mois de janvier. Le litre de gazole connaîtra également une augmentation de 0,01 centimes, soit un prix d'1,65 € et enfin, le gazole de pétrole liquéfié en bouteille de 12,5 kg sera au prix de 21,95 €, soit une augmentation de 0,19 centimes. Aux Abîmes, le pôle logistique du CHU fait un débrayage. Depuis ce matin, les salariés de la structure sont sur le piquet de grève. Ils dénoncent des dysfonctionnements au sein du pôle qui perturbent les différentes activités. Un reportage de Michel Depape. Pour autres savins, nous avons un débrayage aujourd'hui là, mais nous avons bien vrai, nous pas qu'empêcher malades manger. Quand il y a dit assez souvent, les malades prient en otage jamais. Là, vrai, nous amenons un mouvement qui est légitime. Nous pas gens prendre malade dans nous, parce que c'est famille en nous hein, qui couchait dans ces lits à l'hôpital. Nous pas gens prendre en otage. Donc, manger, il y a toujours assuré, déjeuner, condiner. Nous avons prévoir aussi que si deux jours, trois jours, manger, il y a assuré pour ne pas rester sans manger. Les difficultés dans le service, c'est le manque d'approvisionnement, matières premières pour faire les repas, des problèmes mécaniques, cuisson, problèmes de distribution aussi au niveau du matériel pour la distribution, les chariots repas et le nombre d'effectifs pour pouvoir respecter déjà les textes de loi concernant les grades et les compétences des agents. Ces agents-là, ça te signe un protocole d'accord, au-dessus là, il y a des cas gourmets pour avancement à gradaïo, évolution à carrière, un bite qui pas doit être fait hein, en disant en service public, ça doit être fait automatiquement. Eh bien, nous avons trouvé nous avons gourmets sans arrêt pour nous faire ça tirer droit en nous, droit à travailler. Et donc, c'est tout bon. Aujourd'hui, là, nous trouvons nous là. Quand on dit encore son hasard, c'était pas précis, ça n'a pas été prévu, qui correspond avec 31 janvier 2015. Et nous, 31 janvier 2024, aujourd'hui, là, qui a fait 9 ans protocole d'accord signé et qui n'est pas respecté. Donc, coûte que coûte, les camarades qui sont là ont décidé qu'ils n'ont pas qu'à pongoter encore, ils n'ont pas qu'à bouger, ils ont voulu droit. Il y a commandé droit qui est légitime. Donc, nous au combat pour ça, pour faire la direction tonne, que c'est ça nous commandé aujourd'hui. Une autre mobilisation fait parler d'elle actuellement et à l'échelle nationale. Depuis plus d'une semaine, les agriculteurs de la France entière se mobilisent pour l'amélioration de leurs conditions de travail, une meilleure rémunération et une simplification administrative. Mais la manifestation a pris une grande ampleur. En voulant dénoncer les dysfonctionnements du système dans la filière agricole, certains agriculteurs ont engendré de nombreux dégâts, entre autres des routes abîmées, de multiples feux ou même le déversement de détritus et de lisiers sur les façades. Alors, que pensez-vous de la mobilisation des agriculteurs? Les habitants ont réagi au micro de Michel Depape. Alors, que pensez-vous de la mobilisation des agriculteurs? Avec le président Macron, là, c'est pas bon. Hein. Normalement, c'est un pays qui était vraiment bien à une époque et là, maintenant, ça va plus. Je suis avec eux, hein, de toute façon. Je les soutiens. C'est une revendication logique. Hein. Vu de la misère, ils ne touchent pas beaucoup d'argent. Ils travaillent toute leur vie, ils gagnent au moins 800 euros. Et le gouvernement ne fait rien du tout. C'est du blablabla tous les jours, chaque fois, et après, il y a du silence. Je m'intéresse à ce qui se passe ici. Parce qu'en France, ils ont la fâcheuse manie de faire beaucoup de tapage et après, ça avorte. Donc, c'est déplorable. Moi, je vois, ils ont raison, parce que de voir peut-être à l'extérieur, ils nous envoient des produits qui ne sont pas bons. Et eux, ils ont des normes à respecter, et puis leurs produits restent sur leur compte. Alors moi, je dirais, dans ce sens-là, ils ont raison.
ça part d'un bon sentiment, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de problèmes à régler, que ce soit pour les agriculteurs, que ce soit pour l'eau, que ce soit pour tout le monde hein, à travers l'Hexagone et le pays. Ils ont le droit, hein, ils demandent leurs droits. Écoutez, ils ont raison, mais il y a une certaine manière de faire quand même, parce que j'ai vu qu'ils ont envahi un McDo de détritus. Mais bon, c'est les ouvriers qui payent le prix, donc bon, est-ce que c'est vraiment la bonne chose à faire? Je sais pas. Est-ce que c'est vraiment la bonne manière de faire? Je sais pas. C'est une bonne chose, parce que c'est eux qui nous font manger. Et en ce moment, il y a des problèmes financiers, ils ont du mal à gérer leur mois. Voilà. Alors, ils sont obligés de faire grève. Ah, ils ont raison. Ils ont tout à fait raison. Tout est cher, tout devient cher, ils peuvent faire ça, travailler, machin. Il y a ceux qui se suicident, tout ça, donc voilà. Tout passe pas normal. Macron ne fait pas ce qu'il faut. Il y a du bon, il y a du mauvais. Après, chacun va trouver, chaussure à son pied, si je peux dire, par rapport aux solutions qu'ils vont trouver. Mais ça reste à voir. Hein. Moi, je suis pas... Je vais rester impartiale, mais après, le combat n'est pas gagné d'avance. Hein, donc voilà. Le conseil départemental poursuit son accompagnement des communes de l'archipel en mettant en place des partenariats de solidarité. Après Pointe-Noire, le 18 janvier dernier, le président du département, Guy Losbar, s'est rendu ce mercredi 31 janvier au Moule pour la signature du 16e contrat pays. À travers cette démarche, le département entend redynamiser les territoires par le financement de plusieurs projets au sein de ses municipalités. Un reportage d'Olivier Félix. C'est une satisfaction. Cette manière de travailler avec le département a été mise en place par le nouveau président du conseil départemental et je dis que c'est une très bonne chose puisqu'on contractualise des projets comme l'on pourra voir peut-être tout au long de la mandature du président du conseil général, mais je trouve que c'est travaillé en concertation et en toute transparence. Le département est la collectivité de toutes les solidarités, je le dis souvent, solidarité humaine, là c'est la compétence première. On est aussi une collectivité des solidarités territoriales et c'est en ce sens aussi que nous avons initié les différents contrats de pays. Aujourd'hui, c'était le 16e contrat de pays avec la ville du Moule. Il faut rappeler quel est l'objectif du contrat de pays, bien s'engager sur nos compétences, dire quels sont les travaux, quelles sont les interventions que nous ferons sur le territoire pour les 3 prochaines années, mais aussi accompagner les différents projets de la ville dans le domaine culturel, dans le domaine sportif. Et c'est ce que nous avons pu faire aujourd'hui. Il faut rappeler que nous avons 3 gros projets structurants sur la ville du Moule, à l'initiative du département. La réhabilitation et l'aménagement du musée Edgar Claire, c'est pratiquement 14 millions d'euros que nous allons pouvoir y mettre. La réhabilitation effectivement du cimetière et enfin aussi transformer l'éco-parc de l'Itay et en un lieu incontournable. Donc ce sont ces éléments que nous allons pouvoir travailler sur le territoire. On nous permet effectivement, avec des projets présentés, de déterminer quel est le montant de la participation du département. Mais regardez par exemple, même pour les écoles primaires, quand on a parlé, ils ont en charge le conseil départemental, les collèges. Mais quand on nous parle qu'effectivement, pour la sécurité de ces bâtiments, pour la peinture de ces bâtiments, organiser aussi, on le fait déjà dans certaines écoles, des jardins créoles, je dis que c'est une très bonne initiative. Comme ça, dans le temps, lors de notre mandature, nous savons où nous allons. C'est une très bonne chose pour nous. C'est-à-dire pour les équipements sportifs et vous avez vu pour les équipements culturels. Alors nous disons, en signant ce contrat pays, la commune du Moule sait dans quelle direction qu'elle va. Et le département aussi, puisque nous mutualisons nos efforts. On ne va pas chercher des subventions à tâtons. On a bien réfléchi, mes services ont beaucoup réfléchi, les services du département ont réfléchi. Et ensemble, nous avons contractualisé ce que nous pourrons faire. Et rien n'empêche de les modifier ou d'ajouter.
McDonald's Anti-Guyane soutient la recherche sur la drépanocytose. Aujourd'hui, aux Abîmes, le directeur général de la branche Anti-Guyane a remis un don à l'association Guadeloupe Espa Espoir Drépanocytose. Cela a été rendu possible grâce aux différentes actions organisées pour soutenir la cause et sensibiliser la population à cette maladie. Un reportage de Michel Depape. Aujourd'hui, on a reçu un chèque de 33 000 600 euros de la part de McDo. Grâce à ce soutien financier, nous, ça nous permet de continuer nos actions auprès des drépanocytaires, des familles, des malades et auprès de la recherche. C'est dans notre ADN de vraiment être pour les causes qui ont besoin d'un petit coup, un petit boost de lumière. La maladie de la drépanocytose n'est pas très connue. Même s'il est connu, il n'est pas très connu. Donc le but pour nous, c'est de mettre un peu de lumière pour qu'on puisse savoir un peu plus sur la maladie, récolter des fonds et combiner sport et santé. Ça a fait une bonne mix et ça nous a permis de mobiliser la population et nos salariés pour cette récolte importante. C'est grâce à ces dons que l'on avance, notamment ça nous permet de sensibiliser aussi la population. Au début de janvier 2024, nous avons organisé un congrès que nous avons pu faire justement grâce à l'argent que McDo nous donne et à l'ARS. Un congrès qui a fait venir des médecins de l'Hexagone, intervenir un médecin des États-Unis et de Guadeloupe pour échanger sur les avancées des médicaments contre la drépanocytose. Et c'est un message d'espoir, parce que notre congrès, c'était en route vers l'espoir, et on voulait savoir quels sont les médicaments qui ont des fruits, qui aident les drépanocytaires. Et grâce à ce congrès, on a pu avoir plein d'informations donc, sur ces médicaments, et notamment aussi sur la greffe qui sauve les drépanocytaires. Quand on est greffé, on n'est plus drépanocytaire, et on a eu donc plein d'informations. Chaque novembre, on a notre grand jour, à qui s'est ajouté cette semi-marathon où il y avait 21 km, il y avait une course aussi de 5 km. Donc c'était intéressant parce qu'on a eu presque 1000 personnes et toutes les inscriptions ont été récoltées et données à l'association. Donc voilà, c'est combiner sport, santé, une bonne action, je pense que ça a fait une bonne mix et on peut faire plus. Pour développer la radio numérique dans les Outre-mer, l'ARCOM part à la rencontre des opérateurs radio de la Guadeloupe. Ce matin, à l'hôtel Salaco, Hervé Godchaud, conseiller de l'ARCOM et président du GTR, et le CTA Anti-Guyane ont convié les différents éditeurs radio de l'archipel pour échanger autour de DAB+, la radio numérique terrestre. Cette technologie qui utilise le réseau de diffusion hertzien terrestre est déjà déployée dans plusieurs régions de France hexagonale. Selon l'ARCOM, DAB+ offre de nombreux avantages pour les radios mais aussi pour les auditeurs. Quels sont donc ses intérêts pour la Guadeloupe? On l'écoute, la réponse au micro de Solène Fèvre. Le DAB+, c'est la nouvelle technologie pour l'écoute de la radio hertzienne. Où là, on est toujours avec un poste de radio équipé d'une puce DAB, mais un poste de radio normal, on n'est pas sur Internet, et on a un son de qualité numérique, on n'a plus d'interférences, on a un confort d'écoute, notamment quand on est en voiture, qui est bien plus important. On n'a plus besoin de connaître la fréquence d'une radio pour pouvoir l'écouter, il suffit de sélectionner sur un petit écran alphanumérique le nom de la radio, et donc on va dire que c'est la radio d'aujourd'hui plus, avec un intérêt supplémentaire et qui n'est pas nécessairement sur Internet, où sur Internet, eh ben, on n'est plus anonyme parce qu'il y a les cookies, il faut avoir un abonnement, il faut avoir la 4G. Là, ça reste de la radio hertzienne, donc gratuite. Et c'est, on va dire, je pense, l'avenir de la radio. Aujourd'hui, tout le monde n'écoute que du numérique, que du son numérique, sauf avec la FM. Donc j'ai envie de dire, il faut peut-être prendre la chose à l'envers. Est-ce qu'on peut ne pas être en numérique aujourd'hui quand on diffuse un média? Voilà, donc oui, c'est l'avenir. Après, la FM a encore toute sa place parce que c'est pas une bande de fréquence sur laquelle il y a une tension. Donc aujourd'hui, il y a de la FM, demain, il y aura de la FM. Et j'ai envie de dire que le jour où on arrêtera la FM, c'est parce que le DAB+ est au-dessus et donc les gens arrêteront d'eux-mêmes d'écouter de la FM. Mais ce sera finalement un choix des auditeurs. Pour les auditeurs, il faut leur faire connaître le DAB+, une fois qu'il sera déployé, évidemment.
pour qu'effectivement, ils changent de radio. Alors là, c'est un investissement bien moindre. Il s'agit juste d'acheter un poste de radio qui coûte exactement la même chose qu'en FM pour pouvoir écouter la radio en DAB+. Et donc là, il faut faire connaître la technologie. Il y a beaucoup de radios associatives, mais pas en manque de moyens. Et étant donné qu'ils sont isolés, donc ils ne peuvent pas faire appel à X, Y, Z, donc, mais ils ont un confort d'écoute, donc on ne va pas dire médiocre, mais pas terrible. Donc on zappe rapidement. Et l'essentiel pour nous aujourd'hui de suivre la marche, donc de ne pas rester à la traîne, pour ne pas me répéter, et de trouver les moyens. C'est l'un des intérêts pour les éditeurs, c'est que ça coûte moins cher de diffuser en DAB+ que de diffuser en FM, puisque chaque radio assume ses coûts de diffusion sur sa fréquence, alors que sur le DAB+, comme c'est 13 radios pour une seule et même fréquence, les coûts sont mutualisés entre les 13 radios. Ce mardi 30 janvier, le Premier ministre Gabriel Attal a prononcé son discours de politique générale devant l'Assemblée générale. Il y a présenté sa feuille de route avec les priorités du gouvernement, comprenant une quarantaine de mesures. Parmi elles, dans le volet autorité, le Premier ministre a déclaré vouloir créer une peine de travail d'intérêt éducatif pour les mineurs de moins de 16 ans, ainsi qu'une peine complémentaire de travail d'intérêt général pour les parents d'enfants délinquants pour le délit de soustraction à leur obligation légale. Des annonces qui n'ont pas manqué de faire réagir l'opposition. Donc ce mercredi matin, la chancellerie a précisé que cette décision, faisant suite à des révoltes survenues en juillet dernier après le décès du jeune Naël, ne sera pas une peine, mais bien une mesure éducative composée d'un suivi avec des enseignements et une sensibilisation aux questions de justice et de civisme. Alors, pour ou contre les travaux d'intérêt éducatif pour les mineurs de moins de 16 ans? La réponse de la population au micro de Michel Depape. C'est une mesure scélérate comme toutes les mesures depuis Macron. Ben, on a fait le choix de le mettre au pouvoir, et ben, il y est. Moi, je pense que c'est bien. Mais il y a d'autres choses aussi à penser. Enfin, moi, je suis de la vieille école. Hein. Il faudrait qu'on remette le service militaire en route ou certaines choses qui réapprennent à nos jeunes à vivre ensemble. Je pense qu'il faut responsabiliser la fin jeune devant les actes qu'ils ont commis. Parce qu'ils sont responsables de ce qu'ils font. Alors, comment les responsabiliser, je ne sais pas, mais il faut les responsabiliser. Je pense que lui, il devait regarder pour lui avant qu'il s'occupe des jeunes, parce que maintenant, là, c'est les parents. Hein. Déjà, à la base, c'est les parents. S'il n'y a pas l'éducation, on ne peut rien faire. Alors, j'espère que lui, il met des lois, mais je ne pense pas que lui, il a pour lui-même. Est-ce que c'est vraiment la bonne chose à faire? Est-ce que ça va vraiment leur apprendre le respect, enfin tout ce qu'ils doivent, toutes les valeurs qu'il faut qu'ils aient? Ça dépend de ce qu'ils font en fait et comment c'est, enfin par qui ils sont dirigés. Est-ce que les personnes qui les dirigeront, ben, seront bien qualifiées, ou est-ce qu'on va juste les utiliser comme des boniches pour les enfants? Mais c'est une bonne chose aussi, hein, parce que comme ça elles vont amener des délinquants. Les enfants ne sont pas pris en main peut-être suffisamment, ne sont pas pris en charge aussi. Et tout ce qu'on a entendu aussi sur la métropole, il y a eu les casses avec les enfants, il y avait beaucoup d'enfants. Et ça a causé beaucoup de problèmes. Et là, maintenant, les impôts aussi, ça a augmenté. C'est à cause de tous les dégâts qui ont été faits là-bas. Mais ça peut être une bonne idée, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants maintenant, bon, par rapport à nous, on n'est pas aussi durs que les parents d'avant. Donc, du coup, je pense que ça peut être une bonne idée. Mais si les parents... Il devrait avoir une éducation aussi pour les parents. Parce que l'éducation, tout ce que les enfants font par des parents, en fait. Hein. Tout à fait d'accord. Justement, ils doivent remettre le service militaire pour les garçons, surtout. Et pour les filles? Pour les filles, bon, c'est un petit peu délicat. Mais pour les garçons, ouais. Alors ça, je trouve ça parfait. Comme ça mettrait une certaine rigueur au niveau d'un certain âge, des enfants de la société qui partent un petit peu, je vais pas dire à côté ou au niveau de la délinquance, mais ça pourrait être un plus dans tout ce qui est rigueur, comme ça ils savent que s'ils partent à côté, ils seront sanctionnés et c'est pas plus mal. Au lieu qu'ils partent en prison, ça serait bien qu'ils fassent des travaux de collectivité ou ce qui a été mis en place, voilà.
Le lundi 8 avril 2024, la ville du Gosier accueillera l'événement Corsair Riviera Futsal Show organisé par le Fax Futsal. Donc, c'est un club de futsal caribéen présidé par Steve Bistoquet que nous recevons ce soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à la Guadeloupe. Et il est en présence donc de M. Cédric Cornet, maire de la ville du Gosier et président de la CARL, qui soutient cette manifestation. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Bonsoir à tous les Guadeloupéens. Merci de votre présence. Vous êtes là donc pour nous présenter cet événement qui accueillera aussi une pointure du football, une figure du monde du football qui n'est autre que Ronaldinho. Donc pourquoi avoir fait le choix de créer cet événement? Et surtout, pourquoi Ronaldinho? Qu'est-ce qu'il représente pour aussi le futsal caribéen? Alors, pourquoi l'avoir fait? J'ai presque envie de dire que ça a l'air très évident. En fait, en Guadeloupe, on a énormément de très grands sportifs, mais on a également beaucoup d'admiration pour des sportifs de nationalité étrangère. Et Ronaldinho est un des sportifs et extra-internationaux qui soulève le plus de passion auprès des amoureux du ballon rond. On parle de ballon rond de manière générale parce qu'effectivement, c'est un très grand ambassadeur d'autres disciplines autour du ballon rond, comme le futsal, mais également le footy-volley et depuis un peu de temps, le tech-ball. Donc, nous, dès lors qu'on a eu l'opportunité de le faire venir, on a tout de suite essayé de chercher des appuis et on a trouvé, grâce à la CARL, et un soutien et une vivacité d'esprit pour pouvoir justement rendre ça possible. Très bien. Et du coup, en quoi consistera très concrètement cet événement, puisqu'on parle de Ronaldinho and Friends? Qu'est-ce qu'on entend justement par tout cela? Alors, c'est une compétition, du moins pas une compétition, mais une manifestation. Il faut le dire à tous les Guadeloupéens, c'est un projet ambitieux. C'est vraiment quelque chose qui est unique et que peut-être ne va jamais se reproduire encore. Donc c'est un dossier qui est très compliqué, très difficile, parce que Ronaldinho est demandé à travers le monde. Il n'est pas facile à joindre, il n'est pas facile à mettre en place toute une organisation autour de l'arrivée de Ronaldinho. C'est pourquoi la CARL, nous avons fait le choix, déjà de manière technique, avant même de parler de finances, on a vraiment mis nos services en aide au Fax, notamment avec notre direction des sports menée par l'ancien grand footballeur Franck Sylvestre, à avoir des connexions et des garanties pour s'assurer que Ronaldinho vienne au Gosier et à la CARL. Bien sûr, il y a plusieurs angles. Il y a un angle touristique, parce que en emmenant Ronaldinho, on fait parler de la Guadeloupe et de la CARL et du Gosier. Il y a un angle sportif, puisque vous savez que c'est un grand footballeur, donc beaucoup de sportifs aimeraient le rencontrer au moins une fois dans leur vie. Et depuis que l'annonce a été faite, n'imaginez même pas l'engouement, même au-delà de la Guadeloupe. Nous avons des gens qui prennent des réservations depuis Martinique, Guyane, Sainte-Lucie, Saint-Martin, Saint-Barth, parce qu'ils se disent « j'ai une opportunité unique de rencontrer Ronaldinho ». On va même dire de transmission, parce que nous allons réunir tous les clubs du Gosier pour pouvoir leur permettre de rencontrer Ronaldinho. Les enfants qui ont 4 ans, 5 ans, 10 ans, même les seniors de tous les clubs du Gosier pourront avoir un moment privilégié avec Ronaldinho. Et puis, il va y avoir un moment fort, c'est ce match de prestige avec des grands joueurs qui vont faire une partie au Palais des Sports le 8. Donc, mais c'est vraiment un grand week-end élargi où la population de la CARL et du Gosier aura un contact direct avec Ronaldinho. Je veux quand même le dire, c'est un projet qu'on suit au pas à pas. Pourquoi on l'annonce aujourd'hui? Parce qu'il est important d'avertir qu'il arrive. Il est aussi important de lui montrer qu'il y a vraiment une attente guadeloupéenne, parce que peut-être que s'il n'y avait pas l'attente, eh bien, il retournera à Dubaï ou au Brésil ou dans d'autres pays. Et pour nous, on se donne le maximum de moyens pour se donner le maximum de chances qu'il vienne bien en Guadeloupe. C'est un combat de tous les jours. On se donne le maximum de garanties. La CARL signe une convention avec le Fax. Tant que Ronaldinho n'est pas
en Guadeloupe, il n'y aura pas de subvention ni de la ville du Gosier, ni de la Carle. Parce que nous, on veut cadrer les choses. Je rappelle que c'est l'argent public. Je sais qu'il y a d'autres partenaires comme Corsair et autres qui, eux aussi, appuient pour que Ronaldinho vienne. Donc, c'est vraiment un projet collaboratif. Il y a le département, il y a la région. Donc, en gros, il y a une volonté guadeloupéenne de faire venir Ronaldinho. Et donc, on se donne le maximum de chance. Et tout est en train de se mettre en place. On met des assurances en place au cas où, s'il y a un couac, la billetterie est déjà ouverte. Donc, je sais que rien que ce matin, je laisserai le président du FACS en parler. Mais je veux quand même le dire. Le FACS, c'est une association gosérienne de la Carle. C'est tout à fait normal que le maire du Gosier accompagne son club, que le président de la Carle accompagne un club du territoire, les jeunes du territoire. Et je voulais féliciter l'engouement et l'énergie que met le FACS autour de ce projet. Nous, on est là pour accompagner les jeunes. On est là pour accompagner les sportifs. On est là pour accompagner leurs projets. Et aujourd'hui, on se donne les moyens techniques, financiers, humains, pour pouvoir faire en sorte que Ronaldinho arrive dans des bonnes conditions. Et je vous le dis, ce serait une très belle victoire pour la Guadeloupe lorsqu'il va atterrir à Port-Caraïbes. Tout à fait. Donc justement, comment est-ce que les spectateurs pourront assister à ce grand match, à ce show? Quelles sont les modalités pour s'inscrire et réserver un billet? Alors, c'est très simple. La billetterie est actuellement ouverte. Il reste plus beaucoup de temps avant que, je pense, on soit sold out. Donc, c'est uniquement sur AllMall. Donc, allmall.com. A2LMOL.com. Et tout le monde a essayé de mettre en place une billetterie avec relativement des prix très abordables, à 10 euros. Il y a près de 900 places à 10 euros, à 20 euros et à 30 euros. Donc le souhait, c'est vraiment de rendre ça le plus possible accessible à la population, mais de la Riviera, mais également de la Guadeloupe. Et dans le cas où ça ne soit pas possible, ça fera obligatoirement des personnes un peu mécontentes. On travaille également sur un dispositif pour pouvoir diffuser également en live pour que nous, ce qui nous anime, c'est vraiment, moi j'ai toujours entendu parler de Pelé en Guadeloupe et j'ai jamais vu, et j'aimerais que justement dans 40 ans on puisse se dire tiens, mais on a dit en Guadeloupe. Et il faut rappeler que quand Pelé est venu en Guadeloupe, il est venu à Gosier, donc c'est encore l'histoire qui se répète. Et en gros, il a les photos avec l'équipe du Gosier et tout. Donc, l'AS Gosier à l'époque. Et donc, c'est vrai que pour moi, de pouvoir perdurer dans la tradition qui avait déjà été installée par les anciens, de recevoir Pelé à Gosier, là, on recevrait Ronaldinho à Gosier, qui est aussi une légende brésilienne. Ce serait quelque chose de vraiment historique. Et puis, moi, le moment fort qui me tient vraiment à cœur, ce sera au stade du Gosier, où nous allons recevoir des centaines et des centaines de jeunes du Gosier qui sont licenciés, la S Madiana, la JSF, la S Gosier et bien sûr Dragon. Ça veut dire qu'on crée un imaginaire. On se dit que ces jeunes se disent « Moi aussi, je peux devenir Ronaldinho. Moi aussi, je peux réaliser mes rêves. » Parce que vous savez que quelqu'un qui joue au football n'est pas forcément voué à être champion. Tout à fait. Mais il peut, par exemple, avoir une ambition professionnelle, culturelle, artistique, et de se dire, si Ronaldinho, lui, qui sort des favelas du Brésil, très pauvre, arrive maintenant en Guadeloupe, dans le monde entier, à faire connaître son art, eh bien, moi, je peux y arriver aussi. Et c'est ça aussi que la Carle veut permettre, c'est de pouvoir ouvrir le champ des possibles, qu'on ne soit pas enfermé sur nous-mêmes, que lorsque Ronaldinho arrive, un jeune dit, moi aussi, je peux y arriver. Moi aussi, je peux transcender, je peux développer, je peux créer, je peux innover. Eh bien, c'est ce qu'on essaie de mettre en place à la Carle. Et je remercie encore tous les élus de la Carle qui me soutiennent dans cette démarche de progrès. La population qui adhère, et je vous dis, depuis ce matin, mon téléphone n'arrête pas de sonner. Mais pas Gosier. La Guadeloupe, en dehors de la Guadeloupe, sur Internet, les réseaux, sur WhatsApp, sur Facebook, en appel normal, en SMS, on veut voir Ronaldinho. Et je vous dis, on est long avril est encore un petit peu loin,
Mais là, on aurait dit qu'il arrive ça demain. Se prépare maintenant. On aurait dit qu'il arrive demain. Tout les gens fait. Sont déjà. Les gens, mais où est-ce qu'on peut acheter des tickets? Comment on fait? On aimerait le rencontrer, on veut le voir, on veut le toucher, on veut. Puisque le monde entier a le droit de le toucher, nous, on n'a jamais eu l'occasion. Voilà. Monsieur le Président, dites-nous comment on doit faire. Et je vous dis, il y a vraiment une hype autour de Ronaldinho. Et on va essayer de contenter le maximum de Guadeloupéens qui veulent le voir. Tout à fait. Eh bien, en tout cas, je vous remercie. C'est un grand événement qui se prépare. Et du coup, on espère que ceux désireux de rencontrer Ronaldinho auront le temps de prendre leurs billets. Donc, comme on vous a indiqué, n'hésitez pas à réserver vos billets sur olmol.com. Merci beaucoup. Merci. Merci. Donc, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Le JT revient demain à 18h30 et on se retrouve dans quelques instants pour un focus spécial carnaval. À tout de suite.